Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier, où je me pèle le fion. Oui, il doit faire 4 degrés dehors, l'atelier doit faire 2, 3 peut-être. Je me pose la délicate question de comment chauffer mon petit atelier. Alors, il y a plusieurs solutions, évidemment, l'électrique. Je ne sais pas si vous l'entendez, le ronronnement derrière, bah, c'est un truc qui fait 3 kW. La centrale nucléaire qui est juste à côté de chez moi, je peux vous garantir qu'on en prend un coup avec ce tas de merde là. Si vous avez des solutions à m'apporter, alors on oublie géothermie, on oublie le chauffage branché directement sur la chaudière, c'est pas possible, on oublie les pompes à chaleur et enfin tout ce qui est énergie renouvelable, entre parenthèses, je verrais bien un petit poêle à granules ou un poêle à bois style brûle tout. Si vous avez ça dans vos ateliers, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire vos retours dessus, si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai franchement pas envie de foutre le feu à la baraque. Donc, enfin la baraque c'est mon atelier, hein. Bref, vous avez tous compris. Donc si vous avez ça en stock, si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les partager. Ça peut être bon pour tout le monde et surtout pour moi, hein, parce que je me pèle là carrément les douilles. Les douilles, j'ai bien dit les douilles avec un D, pas avec un C. Vous avez tous compris. Donc, si vous avez ça en stock, si vous avez des bons plans, des liens, enfin tout ce que vous voulez qui peuvent me permettre de me chauffer l'hiver. Donc, clairement, tu as compris que l'hiver, tu ne me vois pas trop dans l'atelier. C'est en partie parce qu'il fait froid. Je suis en Moselle. Frontière allemande, luxembourgeoise et belge, je peux vous garantir que l'hiver, c'est assez coton. Alors, c'est pas aussi froid que le Doubs, le Gers et compagnie, mais on se pèle bien le cul quand même. Donc, si tu as un bon plan, n'hésite pas à le partager. Je suis preneur de toute information et ça me permettra de passer 4 ou 5 mois en plus dans l'atelier. Parce que mine de rien, quand il fait froid, non, je ne viens pas. La fonte d'un rabot, quand c'est bien froid, je peux vous garantir que c'est pas très agréable. Donc, si tu as ça, n'hésite pas, parce que j'en ai marre. Allez, ciao les loulous, c'était Franck de Créolinium. Merci beaucoup.